tout. La femme, à vous les honneurs. La vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de votre position, de où est-ce que vous vous trouvez en ce moment. Bonjour, connectez-vous. Je vous vois déjà connecté. Maman. La femme. La force du monde, hein? La force des hommes, et comme les hommes, la femme. Avant de continuer la musique, je tiens d'abord à saluer, pardon, toutes les femmes, même les nouveaux-nés, les filles, les petites filles, les bébés qui sont nés aujourd'hui. À l'hôpital, à la maison, partout dans le monde entier. Je tiens à vous saluer. Les femmes, le monde nous appartient. Mon nom, c'est Marie Larose. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et je profite de cette occasion de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de partout. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de d'où je viens, de mon pays de Togo, de mon village Thiévié, d'où je viens. Mon nom c'est Marie Larose et mes parents m'ont surnommée Marie-Jeanne Dognon. C'est mon nom. Je suis fière et c'est avec la fierté que je me présente devant vous aujourd'hui, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Je viens de Thiévié. Chez nous à Thiévié, au Togo, c'est à peine 20 à 25 minutes de Lomé. C'est un petit ville. Non, on dit la ville, pardon. C'est une grande ville. C'est une grande ville, pas trop loin de Thiévié. Et j'aimerais bien vous parler de la femme de Thiévié, la femme de Thiévié. Chez nous à Thiévié, notre spécialité de Thiévié, on cultive beaucoup de l'huile de palme et de gari. Et chez nous, il y a une fête chez nous qu'on appelle Aïzan. Aïzan, c'est la fête d'haricots. Ça se fête chaque année, chaque juillet. Et il y a toujours des invités, des préfets,
des ministres, des enfants qui s'habillent comme ça souvent à la fête de Tchévier, c'est-à-dire à Isan. Raison pour laquelle je me présente comme ça devant vous aujourd'hui en tant qu'une femme qui vient de Tchévier. Une femme qui vient de Tchévier, c'est une femme battante, c'est une femme qui est toujours prête pour la famille. C'est une femme qui est toujours là à n'importe quel moment. Tu tapes la porte à une femme qui vient de Tchévier, il y aura toujours la nourriture parce qu'une femme de Tchévier prend toujours soin de son mari, ses enfants et sa famille. Donc, sur ce, je souhaite une très bonne fête à toute la population, surtout les femmes de Tchévier. Et aujourd'hui, c'est notre jour de marché. Le jour de marché de Tchévier, c'est vendredi. Tous les vendredis, c'est la journée de la femme de Tchévier. Parce que lorsque vous vous trouvez dans le grand marché de Tchévier, il y a tout le monde, toutes les femmes. Le jour ouvrable, les femmes vont au marché, bien sûr. Il y a d'autres qui vont aussi au champ. Il y en a aussi qui travaillent dans les fonctions publiques. Une femme de Tchévier, c'est une femme d'abord intellectuelle. Ceux qui ne sont pas trop allés loin à l'école comme moi, nous sommes des battantes. Nous aimons faire vraiment du commerce. Nous aimons vraiment se battre dans la vie. On aime seulement aider les uns les autres. Vous voyez seulement l'exemple chez moi. Donc voilà, c'est l'histoire d'une femme qui vient de Tchévier, non loin de Lomé, d'où je viens. Mon nom c'est Marie La Rose. Bonne fête à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes du Togo, à toutes les femmes de préfecture du Zion, Tchévier, d'où je viens. Je vous adore. Allez, maintenant nous allons danser. Nous allons parler si vous avez des questions à me poser. Si quelqu'un veut être invité, j'en ai que 30 minutes, même pas 30 minutes, j'en ai moins de 30 minutes. Mais je souhaite bonne fête à toi, Laurie Hill, ma personne qui m'a jamais laissé. Merci beaucoup, bonne fête à toi. Et il y a Lydia. Lydia, bonne fête à toi. Il y a tellement de gens ici que je ne saurais pas dire votre nom. Mais si vous êtes des femmes qui me suivent en ce moment, vraiment, bonne fête à vous. Il n'y a rien de tel. La journée internationale de la femme, c'est une journée à ne jamais oublier. Même les femmes qui sont à l'hôpital en ce moment, vraiment, je vous le souhaite aussi. Je vous souhaite bonne fête. Pas je vous souhaite maladie, non, je vous souhaite bonne fête. Car la femme, c'est le pilier du monde. Who won the war? Les femmes. Lorsque une femme est derrière quelque chose, ça réussit toujours. Et lorsque une même femme est derrière quelque chose, ça peut se gâter aussi. Donc, le pouvoir, ça appartient que les femmes. Nous, les femmes, surtout les femmes africaines, maman, on est tellement là, déposées. Même ceux qui ne sont pas les vraies femmes, c'est toujours des femmes battantes. Donc, nous allons jouer la musique de Jonas Pedro, paix à son âme, qui a fait l'honneur à la femme, qui a chanté cette belle chanson de Les femmes d'abord. Voilà, je vous laisse écouter et je vais danser pour vous. Belle Marie La Rose, top, merci beaucoup. C'est la journée de la femme, les femmes. À vous les honneurs, vous êtes nos mères, nos épouses. Aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes à mon charme et douce lumière. Et celle du foyer, vous qui êtes vous, les hommes, président, roi, c'est un femme aux fleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons. Car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons. Car la vie c'est vous. Bonne fête à vous. Les femmes, la diva à moi, j'attends pas une là, hein. Si tu m'envoies pas. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes à mon charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, président, roi, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort. La vie c'est vous.
Calabissez-vous. Ceux qui connaissent la fête d'Aïzan, qui manquent seulement les perles, parce que souvent on met beaucoup de perles et on met l'argile blanc sur le corps. Voyez un peu? C'est tout ce qui manque sur mon habillement. Sinon, c'est comme ça on s'habille. Habit traditionnel. C'est la rose. Hey! Bonne fête à vous tous, Ngofuni. My brother, how you doing? La force du monde, c'est les femmes. Bonne fête à toi, mon maman chérie, à mes deux sœurs chéries, je vous aime. Et souvent, nous les femmes de Tchévier, ce ne sont pas dans nos habitudes de se maquiller. Raison pour laquelle vous me voyez sans maquillage, mais seulement rouge à lèvres. C'est tout. Avec lait, la rose, ça dose toujours. Hey! La force des hommes, c'est les femmes. Bonne fête à vous tous, la diva, à moi. Chuba, bonne fête à vous. C'est un peu chaud là. C'est chaud. Ta-da-da. Les démons, hein. On recommence. Merci à Jonas Pedro, hein. Ouais, il a chanté pour nous, hein. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Je dépose les fleurs, bah, elle doit bien danser pour vous. Enjoy it. Bonne fête à vous tous, à toutes les bonnes femmes du monde, même les nouveau-nés. Enlever les chaussures. Voilà. Calabissez-vous. Bonne fête. Aujourd'hui, on soulève les cabas. Regardez mes pieds. Maman, ça capture. Vous voyez mes pieds? C'est un peu noir ici. Oh. Hey! Bonne fête à vous.
la femme. Elle est la femme. La femme, la femme, la femme. La force du monde, c'est les femmes. La femme. Qui a envoyé vomi? Lydia, tu es partie. Heureusement que j'étais vite vue. Tu serais dans l'oubliette. Parce qu'aujourd'hui, on ne manque pas de respect aux femmes. Pourquoi je n'arrive pas à le bloquer? Bloqué, voilà. C'est parti. Tu vas me suivre avec un autre profil. Taranana. 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 On va jouer quelque chose d'autre. On va jouer quelque chose d'autre rapidement. Rapidement, rapidement. Au rapidos. Ouf, j'ai chaud. Mais c'est pas grave. On va jouer quelque chose d'autre rapidement. Quelque chose. Quelque chose que mon chéri m'a envoyé. Attendez, hein. On va jouer quelque chose. C'est toujours pour les femmes, hein. Ok? Voilà. Ça, on les appelle les Sasamaso du Togo. C'est toujours là pour les femmes. Celles qui va vomir ailleurs. Non, il faut les laisser gesticuler. Il a dit non, maman. Il a dit non, maman. Il a dit non, maman. Ah, au fofobi, d'okaye, au tourana, et tu n'es pas là. N'y est pas tiré pour nous, répétez Togo. Togo. Omo le jade moi, dis-le moi clairement. Nye moudi nabe, manon frère la me odome. Manon frère la me odome. D'abord ou bébé. Hé! Tu be dia zoutonye volo. Hé! Tu be dia zoutonye. Omo le jade ou. Il a dit oh non, les femmes elles se font blaguer hein. Ah oui hein. Et puis Yamaha, il a dit oh non. Désolée. Hey, ça c'est Sasamaso. Les Togolais, bonne fête. Marie-Marthe Dogno, bonne fête à toi, ma petite sœur chérie. Et nous, aujourd'hui, nous, 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 D'abord, vous vivez pour lui, il a dit non, maman. Hé! Ah, au fofoubi! Donc, qu'il y a où ça va? T'es pas chez les fous, non? N'y a ni directeur, RPT Togo! N'y a pas chez les fous, non? On m'oublie, j'en ai moi, dis-le moi clairement! Nya mudi bena, mano de la meo de meo. Mano de la meo.
les jaloux, et la violon. Pas une lettre de défait. Et plaît. Yamaha, et la violon. Sasso Masso. Qui connaît que Sasso Masso? Ah oui, hein. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Lily, bonne. Lydia, c'est ça, non? Charles, Christelle. Bonne fête à toi. Babidio, I love you, my sweet heart sister. I love you too. Kadia, c'est ça ton nom? J'ai pas de lunettes donc je vois pas bien. Babidio. Mon ventre est trop gros, hein. T'inquiète, bébé est sorti dedans. Oh. Non, j'aime trop la chanson si. C'est les chansons que nos parents ont. Sasso Masso du Togo. Ah oui, hein, c'est les Sasso Masso. Tu vas danser juste en 10 minutes. Comment tu vas? Ashley, eh? Bonne fête à toi bébé. Otames, bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci, merci. Ah, nous allons toujours terminer avec Jonas Pedro parce qu'aujourd'hui, il y aura toujours deux chansons seulement pour terminer. Les femmes, nous sommes aimables. Les femmes détruisent, les femmes arrangent, les femmes gagnent toujours. Donc les hommes, faites très attention aux femmes. Parce qu'une femme est très précieuse. Vous avez compris? Est-ce qu'on dit toujours la journée internationale de la femme? En tout cas, je n'ai pas encore appris la journée internationale des hommes. Donc, sachez bien que les femmes sont très précieuses. Ok? Merci à toi. Merci beaucoup, mon bébé. Carla, c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, président, votre épreuve. Vous êtes bonheur et leur dame. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons. Galavissez-vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons. Galavissez-vous. Vous avez des questions? Les belles femmes. La femme. Zo! Aïe, c'est ça, non, Ibrahim, c'est ça?
Hey. Bonne fête à toi, chérie. Big up à vous tous. À toutes les femmes qui me suivent en ce moment. Je vous love. Moi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci aux hommes. Prenez toujours soin de nous. Une femme est comme une fleur. Ok? Une femme demande tout simplement à être arrosée. Arrosée chaque matin. Prenez très bien soin de nous. Parce que le monde, ça nous appartient. Le monde, c'est pour nous. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez beau le faire. Vous pouvez tout faire. C'est les femmes d'abord. On dit toujours, derrière un grand homme, se cache toujours une femme. Donc, sur ce, c'était mon mari La Rose. Et encore, encore et encore, bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde. Spécialement à ma maman chérie qui a souffert pour moi, qui était toujours là pour moi, à ma petite soeur Marie-Math qui est connectée, à ma petite soeur Marielle Dognon qui je ne vois pas vraiment, mais je sais qu'elle est quelque part, à ma amour, la diva, Starla, tous ceux, toutes les femmes, toutes ces femmes-là qui ont confiance en moi, Marie La Rose. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est ma journée. C'est votre journée. Oui, que la femme battante gagne. Vive les femmes battantes. Vive les femmes africaines. Vive les femmes heureuses. Je vous aime. Oh, trop choco rose. Merci beaucoup, Abdoul. Mon bébé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hier, un de mes... mes petits là, Alomé, qui m'a fait un son aussi. Qui m'a fait un son. Bon, à l'honneur de la femme. À l'honneur de la femme. Donc, je vais jouer ça rapidement pour vous. Il a joué ça pour toutes les femmes du monde. Voilà le son ici. Voilà le son. Il a chanté pour les femmes. Magnifique dans ta tenue africaine. Merci beaucoup. Mon amour. Oh Kéti. Oh Kéti. Oh Kéti. C'est toi et moi contre le monde, bébé, tu sais. Les femmes. Seigneur en personne, nous bénis.
Le son est bien, hein? C'est relax. PM, ta gym, la dose. Ah, je dois continuer, hein. 50 pounds doit quitter dans mon corps. Ça reste 45 pounds. Sauf que j'ai déjà perdu 15 pounds, ce qui est faire, je crois, 7 kilos. Hein. Le ventre, surtout, ça doit partir. Hein. Parce qu'il y a tellement de robes que je risque à ne plus porter. Donc, je dois travailler là-dessus. Ok, ok, mon bébé. Mes boules-boules ont commencé à partir. Hein. Vous vous rappelez? Avant, j'avais beaucoup de boules-boules. Ça commence à partir. Mon bébé. Ok, ok, mon amour. Ok, ok, mon amour. Ok, ok, mon bébé. Ok, ok. Marie-Math, merci pour les cœurs. La femme, les femmes. I'm so glad I'm a woman. Si je reviens encore au monde, hein, je vais encore être femme. Oh yeah. Ouais, qui danse comme ça là? Marie. Marie, tu danses bien. Hein? Marie Bazeler. Bazeler, c'est ça? Tu as vraiment dansé. T'as écouté la chanson, c'est trop belle, c'est trop une très belle chanson. Donne-nous la recette pour perdre. Au fait, il n'y a pas de recette. Je prends les pilules là que je vendais. Je vends toujours. C'est à la disposition de Tata Sophie Darel, à qui je souhaite bonne fête d'ailleurs. Et mais je vais au gym chaque jour que Dieu fait. Et il est quelle heure en ce moment? Il est déjà 16h. Je ne mange plus jusqu'à demain midi. Non, demain matin, je peux préparer 2 œufs avec protéines ou bien du lait chaud, lait sans caroli là. Comment on dit ça? Comment on appelle ça même en français? Hey, français. Il y a de l'air sans neutre, c'est-à-dire sans rien dedans, sans vitamines, sans rien. Je chauffe ou soit je bouillis 2 œufs avec de l'eau chaude. Je prends ça le matin. À midi, je peux manger tout ce que je veux, mais pas gras. Pas comme les athékés avec beaucoup d'huile et tout. Mais je mange plus de végétables, c'est-à-dire les végétables. Je mange ça plus. Et l'après-midi, je peux manger peut-être du yaourt, yogourt, sans. Je dois compter toutes les calories qui sont dans les nourritures que je prends, en fait. Donc, ça, c'est à partir de 15h, 16h. À partir de là, je ne peux plus prendre yogourt ni rien. Mais le soir, si j'ai vraiment faim, vraiment, vraiment faim, que je ne peux pas dormir, je peux manger la pomme. Je peux prendre pomme verte, pas jaune ou rouge, non. Je peux prendre pomme verte, un seul ou bien moitié. Je mange, je bois de l'eau chaude, je dors. Je suis déjà habituée au fait, ça fait 3 semaines que j'ai commencé. J'ai perdu 15 pounds, je crois mon docteur m'a félicité. Moi, mais j'étais très contente. 3 semaines, donc alors dans 3 mois, je crois que je vais avoir... la taille, la forme, parce que lorsque tu deviens trop grosse, ta forme, ta taille, tout se fait pas bien. Et j'ai pas envie de changer ma garde-robe parce qu'il y a tellement des habits là-bas que j'ai pas envie d'abandonner. Donc je suis obligée de suivre ça, vous voyez un peu. Donc merci beaucoup. Je vais vous donner les résultats chaque semaine. Et ici, vous voyez, avant c'était un peu plus ton, ça bougeait beaucoup. Maintenant, ça, c'est devenu un peu plus dur. Vous voyez un peu, vous voyez.
Là, ça devient parce que, you know, aller à la salle de gym aussi, c'est une très bonne chose. Mais souvent, on est lazy. Mais lorsque tu oublies à faire de lazy, lorsque tu te dis que tu es une star et que tu as appelé aller quelque part pour se faire admirer par tes fans, tu es obligé de le faire. Si les Beyoncé, les Kardashian, les autres là le font, pourquoi pas nous? Eux, ils sont mieux que nous. On peut aussi le faire. Donc, laissez les stambra katala qui mangent, qui boivent de temps à travers. Mais bien sûr, les gens comme moi, il y a grosseur dans notre corps. Donc, on doit toujours se contrôler. Voyez un peu là. Ben, n'oublie pas de me suivre sur Snapchat si vous voulez voir mes photos sexy. Mes photos sexy. Je montre presque tout parce que je veux regarder ces vidéos là après quoi. Donc mon Snapchat c'est Marie La Rose PM. Ok, Marie La Rose PM Snapchat. Je suis deux jours là, je suis presque chaque heure, chaque minute, je suis sur Snapchat. Mon Instagram c'est Marie La Rose PM aussi. Mais je suis pas trop sur Instagram, mais peut-être que je vais commencer bientôt parce que beaucoup de gens demandent. Je vais commencer à, you know, à être plus active sur Instagram aussi. Mais pour côté régime, suivez-moi sur mon Snapchat. Yeah, suivez-moi sur mon Snapchat et vous verrez chaque matin à la gym, je montre mon corps. Seulement, je montre pas ici, mais je montre derrière, je montre comment est-ce que mes escaliers, là, mes boules là, en train de diminuer. Je montre presque tout. Et à la fin de la gym aussi, je montre sur mon Snapchat. Ok? Donc, voilà quoi. Et je crois que Ashley dit quoi? Je veux bien que tu dédicaces, s'il te plaît, pour l'affaire de toi, non? Ok, Ashley, mon amour, mon bébé, mon amour à moi, mon tout. Je sais que tu es ma tout, tu es une femme. Ok, sorry. Je te souhaite une très bonne fête, Tata Marie, qui m'envoie les cœurs. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Donc, voilà, c'est tout ce que je fais. J'ai arrêté vraiment, surtout de boire. Je peux boire. Le docteur m'a dit je peux boire 0.5 verre par jour. You know, entre midi 2, je peux. Je peux boire. Genre, glass of wine, je peux boire ça. Mais alcool, moi, pour moi-même, je ne suis pas une buveuse avant. Je ne bois pas. Donc, ma boisson préférée, c'est du vin. Je prends du vin au dîner. Donc, je peux prendre, mais pas trop. Donc, pour ne pas être exagérée, j'ai coupé l'alcool, c'est-à-dire même le vin. Pendant ces 3 semaines-là, j'ai vu que j'ai perdu 13 pounds, presque 15 pounds, you know. Ce qui est très bien. Donc, restez connectés. Sur Facebook ainsi que sur mon Snapchat. Ok? D'accord. Merci, ma chérie. Pas de problème. Surtout, pommes vertes. Mangez ça souvent. Mangez pommes jaunes ou rouges. Tout ça, c'est trop sucré. C'est trop sucré. Et aussi, ma maman m'a dit de boire, de couper les gingembre avec citron. Ma maman, non, ma petite soeur. Marie-Mathe. Nous tous, on est Marie-Marie. Hein? Marie-Jeanne, Marie-Math, Marie-Louise. Maman, tu es Marie, hein? Donc, de découper citron vert, pas citron vert, citron jaune, ça peut être n'importe quel citron. Et puis, gingembre. Et je fais bouillir ça et je bois comme de l'eau. Ça fait partie du ventre. Bon, première semaine, j'ai fait ça. La première semaine, pardon, j'ai fait ça. Mais les deux autres semaines qui ont suivi, j'étais trop prise par le boulot. J'ai pas fait, mais bon, je crois qu'à partir de semaine prochaine, je vais commencer aussi à le faire. Donc, voilà quoi. Merci ma chérie pour ton dédicace. Merci chérie. Ok, on va se dire au revoir, mais on va toujours jouer Jonas Pedro pour se dire au revoir parce que il a valorisé les femmes. Joue à Kofa, à Kusa, ça c'est vrai. Ça, ce n'est pas faux. À Kofa, à Kusa, de chez moi. Akofa, Akusa. Allez, vous. Quelle chanson de Akofa? Ok, j'ai déjà vu. L'amour, non? L'amour, c'est ça? Non. Ok. Moi, je bois le citron jaune à l'eau tiède jeune. Ah bon? Et ça travaille aussi, non? Je crois.
Mais on va le faire, hein. On en a besoin. Nous, les femmes, nous sommes tellement précieuses. Nous sommes tellement... C'est-à-dire, on est femmes, quoi. Donc, on doit être tout le temps coquette. Et non, souvent, pas seulement pour plaire à quelqu'un, mais toi-même d'abord. Il faut se sentir à l'aise. À l'aise. Sur soi-même. Tu vois un peu? Donc, voilà. Yo, tata Kalele ma bonne fête non lo. Nick pic pic, ma tivi viu non lo. Nick pic pic, ma tivi viu non lo. Je suis à la veine. Merci à celle qui m'a dédié, c'est ça non? Cette chanson, je crois que c'est comme ça on dit non? La royale. La royale de Kim. Nick Pipi, tu es toute belle. Merci chérie. Ma tévi, ou lolo. Nick Pipi. On dit rien ne peut être doux plus que l'amour. L'amour quoi, l'amour. Crème la rose. L'amour est mes ongles. Mes ongles là aussi sont vilains comme ça, hein. Mais je travaille beaucoup, je ne peux plus mettre les faux ongles. Tout trop là, vous voyez, non. Donc je suis obligée que de mettre, de garder mes propres ongles. Mais quand même, il faut que je cherche à faire pédicure, manucure, non. Regarde comment c'est laid. Papa a dit mi agbo e na na wi ali aki ti e lolo le a ayale li agbe me. Mon fils me dit ce matin, mami, you look so young. Genre, maman, tu ressembles à une adolescente. C'est-à-dire, I look young, quoi. Je look jeune. Je dis, avant, tu trouves. Et puis, il m'encourage, quoi. J'aime trop mon bébé. Papa, on est d'abord. Sinon, il y a la mère, il y a la vie. Il y a l'olé. On va écouter Milomia Neroli Abime. Ça c'est qui? Ça c'est ça, Samasso. Yema Blewo. Ya Pogo. Vive la femme togolaise! Vive la femme africaine! Ah oui, pour moi, c'est l'Afrique, que l'Afrique gagne! Que tu fais jeune! Ah, que je fais jeune! Voilà le bon français! Elle mérite les cœurs, s'il vous plaît! Oh, merci beaucoup! Ah! Bogo! Nikki Kuko Nama Yame Bekuko Nama Yame Mabliwo. Go!
magnifique. Merci Anna. Marie-Math, merci beaucoup. Wow, wow. Bécouco, comment? Niamé. Crème la rose, ça dose. Je fais tout ça, mais je veux vendre. Payez, faire vos commandes. J'ai les représentantes partout. En Europe, en Belgique, en Genève, au Canada et ici. Vive la femme africaine, toute belle et naturelle. Merci la rose, merci beaucoup. Pas de maquillage, hein. Je vous dis que je ne maquille plus. Hein. Plus des crayons, des yeux, seulement ici, d'assiette. Sinon, ah, crème la rose. Maman, ça dose. Quand tu fais commerce de quelque chose, pour que les gens voient l'exemple sur toi, ou bien, Mado, Vovolina, Niepometo. Hey, Vovolina, Niepometo. Mado, Vovolina, Niepometo. Kaké, tu as perdu 10 ans. Oui, c'est ce que les gens me disent. 10 ans ou 10 kilos. Ce qui est sûr, les deux. J'ai perdu, je crois que j'ai perdu 18 ans de moins. Quand tu me vois, tu me donnes quel âge quand même? Toi aussi. Tu ne vas pas me donner quand même 35 ans. Ou bien, tu vas me donner 35 ans. Tu vas me donner au moins 27 ans. Ou bien 30 ans, 32 ans. Ou bien. Kaké, Mado, Vovolina. Ashley, merci. Merci d'être là pour moi. Mado. Véro, tata Véro. Merci, il faut bien danser pour moi, toi. Correct. Prudence. C'est comment? Non, 23, toi aussi, c'est exagéré, chérie. Ma Jessie Wokola. Menye. Ma Nya Voko. Ma Jessie Wokola. Menye. Ma Nya Voko. Me dit Ben Manya Zozonowo. Ah, ma fille a fini. Allô, ma chérie. Allô? Ok, l'autre fille est là, non? Oui, elle est là. Ok, je serai là-bas tout de suite, ok? À demain. Demain, il y a client tôt, je te prends, ok? Oh, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure. Désolée, c'est ma fille du salon qui m'a appelé. I'm sorry. Mauritanie. Eh, vous m'appelez même de Mauritanie. Hein? Vous m'appelez même de Mauritanie. Maman. Mauritanie, hein? Majestiwokola. 15 ans, oui, je peux prendre ça. 15 ans de moins, ça c'est vrai. La vraie femme togolaise. Ah oui, ce n'est pas les Nyama 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 du Togo. Ah, Abisso. Abisso. Togo Tomi Bara. Ouais, je vais bien. Et vous, mes chers, vive le Togo et l'Afrique. Toujours. Mais dis mes zon en voix. Mon yé m'a bien.
ma défi au cola. Menye mafia, glowoko. Hey, Happy Women Day. Thank you, baby. Elsa, what's up? Happy holiday to you too, baby. Zonzona wo. Menye mafia, glowoko. Meti be monyo zonzona wo. Menye mafia, glowoko. Ade woneze mwaze si woko lo. Menye mafia, glowoko. Chérie, tu ne m'aimes pas, mais tu es calée et tu envoies les têtes de mon maman. Hey, vous êtes sincère, hein? Très belle beauté naturelle. Merci beaucoup, Justin. Merci. Aujourd'hui, on est en Afrique. Ah bah bien sûr, hein. Et ton yébé, voyez, madoué. Allez, madoué, allez, allez. Ouais, je suis Dédé Kokoué. Je dois accoucher Dédé Kokoué Mamble. Parce que mon mari est de là-bas. Maou, viwo, mi, va, fofo. Mi, non, pe, dodo, da, ti, te. Yesu, le, mien, fe, sa, la, main. Nersota, na. Bonsoir, bébé. Rodney, comment tu vas, bébé? Ni va popo, ni non pe dodo da tibe. Yesu le mien pesarame. Je suis restée trop longtemps que prévu. You look lovely. Thank you so much. Rebecca, how you doing? Comment tu vas? Bonne fête à toi. Femme battante, femme entreprenante, bisous. Bisous à toi aussi. Salamé. Tu vas être intronisée ce soir en quoi? Chérie, je me suis intronisée togolaise spécialement chez Vienne. Dito. Mais vous pensez que je vais laisser être là-bas là. Camerounais, bien, je ne laisse pas. Je voulais même m'habiller comme ça, mais après j'ai dit non, il faut que j'aille un peu à Thierry aujourd'hui, quoi. T'es une sympa, j'adore. Que te garde toujours. Toujours pour nous. Amen. Ben, merci beaucoup, merci. Je suis assez restée avec vous. Les femmes, bien sûr, c'est notre journée. Les femmes, nous sommes supposées à être posées, à être attentives, à être douces. Je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas foutaise, comme moi je n'aime pas foutaise, bien sûr. Mais Dieu a mis en nous quelque chose de très précieux qui attire les hommes envers nous. Même une femme sauvage est toujours attirée par un homme. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Raison pour laquelle nous, les femmes, nous ne devons pas jamais, jamais cesser de se valoriser. Arrêter de se faire dénigrer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et on ne dit pas que la journée internationale des femmes palabreuses, les femmes... je ne vais pas dire, mais cette journée, c'est une journée très précieuse créée par une femme, je crois une femme française, droit de la femme, parce que je sais, à l'époque, dans les Écritures, les femmes n'avaient pas droit vraiment à rien du tout. Et du coup, j'ai oublié son nom, sinon j'allais vous dire son nom.
elle s'est revendiquée et aujourd'hui, nous les femmes, nous avons cette liberté-là. Une femme peut être présidente, une femme peut être directrice, une femme peut être entreprenante. Regardez, aujourd'hui, lorsque moi je prends le cas de Oprah. Oprah, c'est une femme qui a tellement souffert dans sa vie, qui n'avait rien, qui vient d'une famille très pauvre. Mais aujourd'hui, elle est appelée à être une femme milliardaire de l'Amérique. Tout le monde respecte cette dame. Tout le monde, quand tu attends son nom aux États-Unis, c'est une femme vraiment aisée, bien sûr autoritaire. Powerful woman, you know. So, nous les femmes, on devait se valoriser nous-mêmes. Laissons un peu des foutaises de côté, mais une femme est quelque chose de très précieuse. Vous comprenez, non? Profitez très bien de votre journée. Et je sais qu'il fait déjà tard quelque part en Afrique, en Europe, je crois bien. Et la fête continue. Ce soir, je crois que beaucoup vont finir à se gorgoliser là, à faire tout, c'est votre journée. Ne préparez pas pour votre mari ce soir, c'est son tour. C'est son tour, c'est lui qui doit préparer pour vous aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous aime beaucoup. Mon nom est Marie Larose. Restez toujours connectés. N'oublie pas de me suivre sur mon Snapchat, Marie Larose, T-E-M. Je vous aime et vive l'Afrique et vive la femme africaine. Au revoir. Bisous là-bas.